Bonjour, je suis Birgit Carly. Je suis chirurgienne générale. Mais depuis 20 ans, je m'occupe encore du cancer du sein. Et depuis un an maintenant, je suis la responsable de la clinique du sein Isala du CHU Saint-Pierre, ici à Bruxelles. En 2003, j'ai eu une première intervention sur une corde vocale pour une papillomatose qui a récidivé en 2006. Et à ce moment-là, on m'a donné des corticoïdes qui n'ont pas vraiment amélioré la chose. Donc, on m'a opéré de nouveau pour une papillomatose. L'année d'après, un nouveau récidive, nouvelle intervention. J'ai à chaque fois su récupérer ma voix, encore une chance, avec beaucoup de locopédie, je dois dire. Et quand, en 2008, j'ai fait un autre récidive, à ce moment-là, j'ai demandé l'HPV, vous l'avez déjà recherché? Il m'a dit non. À ce moment-là, on a enfin fait la recherche et j'avais bien un HPV. Mais donc, ce n'est qu'en 2008, 5 ans plus tard, qu'on a fait le vrai diagnostic. Donc j'ai été traitée 5 ans, pas bien, parce qu'il n'y avait pas eu le bon diagnostic. Depuis le dernier récidive en 2012, je me sens vraiment une handicapée de la voix, mais des fois aussi physiquement, parce que c'est beaucoup de fatigue de parler avec la voix que j'ai. Donc ma vie a été fortement chamboulée. J'ai continué à travailler, mais je me suis au début cachée beaucoup. Je me suis tue beaucoup. Et petit à petit, je suis revenue à la vie. Mais je continue quand même à fuir des endroits trop brillants. Parce que là, je ne sais pas me faire entendre. J'ai 2 filles magnifiques qui ont 25 et 27 ans maintenant. Ils avaient 17-18 ans à l'époque que ça m'est arrivé, qu'on a su de l'HPV. Mon aîné a tout de suite dit, moi je veux me faire vacciner. La deuxième a horreur des injections, donc elle sait qu'elle doit le faire. Mais on est temps pour parler. Toute la jeunesse, à partir des 14 ans, je crois que les spécialistes disent qu'il faut se faire vacciner, autant les filles que les garçons, que c'est hyper important, vu qu'il n'y a pas que le cancer du col, mais tous les autres HPV qui peuvent rendre les gens vraiment handicapés. Et je pense aux verrues génitales, anales, et aussi sur les cordes vocales et dans le sphère ORL. Mais donc les jeunes se vaccinent. C'est très important, mais qu'ils profitent quand même de la vie.